c'est Warfridge et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme promis sur Outlast, un jeu d'horreur. Ce sera un petit let's play, voilà, gameplay en fait, et je ferai en gros chaque vidéo sera une partie en fait, mais bon je ferai pas que Outlast, hein, je continuerai GTA, Black Ops 3 et voilà, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Et donc du coup c'est parti. On va mettre en... Allez, normal. C'est déjà assez... Alors en fait l'histoire c'est un... On est un journaliste en fait et on va enquêter sur un genre de asile. Oui, c'est un asile, il me semble. Et il s'est passé des trucs bizarres et tout. Et enfin, je vous laisse avec les sous-titres. En gros, il raconte un peu. On s'est vu sorti assez longtemps, enfin, il y a deux ans, un truc comme ça, deux trois ans. C'est pour ça que les graphismes sont pas, parfois sont pas très très ouf, on peut dire ça. Oui, le pouce il est un peu carré au bout, c'est vite fait quoi. Voilà, asile. Et on est un journaliste. Alors le jeu j'ai quasi pas joué, j'ai dû faire depuis juillet j'ai dû jouer en tout même pas une demi-heure donc c'est parti. Ouais, les graphismes en fond sont pas extrêmement ouf, mais bon après non, on sera dans ce gros asile et l'asile est c'est ce qui est le mieux fait, donc après ça va. Alors, pour ouvrir rapidement une porte, appuie sur carré, pour l'ouvrir lentement, t'appuies longuement sur carré. Ah ouais, c'est pour pas forcer en fait. Pour lever, pour prendre le caméscope, c'est R1. Pour courir, c'est L1. Ok. Bon. Flèche de droite. Alors, rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. Vas-y. Oui, en gros, ça décrit un peu l'immeuble. Dites-moi dans les commentaires, parce que je vais faire plusieurs épisodes, si la musique du jeu ou quelque chose comme ça est trop forte, vous me le direz, ou ma voix. Ou le son du jeu en général. Alors, je pense que c'est par là. Ah oui! Ouh, c'est une limace le bordel. Est-ce qu'on peut zoomer? Ah oui. Alors, on va voir ici. Fermé, ça m'aurait pas été étonné. Alors, croix pour monter. La base. Je suppose que c'est les selles. Les chiens, pardon. Ouf, par contre, faudrait pas qu'il y ait une course-poursuite parce que là on est mal. Hein. Transforme en miroir et en miroir et tu peux dire ça. Oh, Assassin's Creed. Ouf, ça commence mal. Alors, ah là, ça va, on a l'infrarouge.
peut se pencher, c'est pas mal ça. Oh putain. Premier screamer, enfin screamer, on peut dire ça comme ça. Je vais l'ouvrir tout doucement, pour pas faire de bruit. Oui. Il est pas une... Non. Ah. Ouh, la porte, comment ça claque là, j'aime pas ça. Pour vous fifi, il est possible dans l'espace. Dans l'espace. On va fermer. Ah, par contre, on n'a pas le choix de fermer rapidement. Alors, y a-t-il des... quelque chose? Ah oui, non, il y a notre ombre. C'est un peu Playmobil par contre, hein. Comment on se déplace. Alors, il n'y a rien. Non. On va continuer. Oh putain. On va la fermer. Alors. Alors, ça commence là. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induit, activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent, poursuite du programme hormonal niveau 4. Le diagnostic, la spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique. Point très inquiétant, il y a de nouveaux étés impossibles de séparer les érythrocytes. Wesh, mais c'est quoi ces noms? Les érythrocytes. Ok. J'ai rien compris. Vous me direz ça dans les commentaires. Oh, je sens. Oh putain. On va pas y aller. C'est mieux comme ça. On va fermer. Oh, du sang. C'est quoi ça? Ad, on voit nos corps, j'ai pas vu. C'est quoi ça? Attends, pour zoomer, ouais, c'est ça. Ah, on dirait un boyau, un truc bizarre comme ça. Non, ce n'est pas ce que vous croyez, je pense pas. Ah, voilà. Ouf. Oh, heureusement qu'on est monté. Oh putain, ça aurait été hyper hard sinon. C'est barré. Oh là là, ça court là-bas. J'aime pas ça. Y'a-t-il quelqu'un? Non. Bon, c'est pas plus mal que c'est fermé alors. Ouf. Ça a l'air d'être bien sombre ça là-dedans. Ouf. Alors on va y aller. Oh putain. Oh, oh les screamers. Ah. Oh, je déteste screamer. Je préfère encore une bonne course poursuite avec un gars bizarre ou quoi que ça. Oh, je sais pas si vous avez sursauté vous, mais c'était hard hein, pour moi. Oh putain. L'autre qu'enchaîne derrière. Ils ont tué, ils se sont échappés, les variants. Moi, ouais, c'est un militaire, je pense qu'on ne peut rien contre eux, il faut se cacher. Ouais, ça doit être un militaire qui est venu quand l'Asie a commencé à dégénérer. Je peux ouvrir les portes principales depuis le local de sécurité. Ok. Bon, ben moi, je cherche à sortir, je préfère pas. Oh! What? Oh! C'est un tank! Attends, je vais refermer. Voilà. Attends. Mais attends, la luminosité, je vais la monter un peu parce que... non. Luminosité. Ah, il n'y a pas luminosité. Ah, c'est quand même dommage parce que... Elle est un peu trop basse. Vibration, on va laisser comme ça. Ouais, c'est bon. Parce que moi, quand j'ai joué, il y avait un peu plus de luminosité, c'était déjà un peu plus fluide.
Ouf, je sais pas pourquoi, c'est pas qu'est-ce qui m'a pris à vouloir ouvrir. Ah non, mais de toute façon, lui, il est là. Donc, du coup, techniquement, s'il fait là. Quoi? Oh la gueule! Ouf! Ah oui, là, c'était chaud aussi. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Monsieur Propre. Oh putain. Non, casse-toi. Non. Alors, c'était une vision ou je sais pas, un rêve. Bon, avec ce qui se passe, que ce soit la réalité, ça m'étonnerait pas trop. Alors, c'était quoi le nouvel objectif? Même des passes. Mais même des gens normaux, ils ont réussi à se transformer en truc bizarre. À moins que c'est censé être des gens, je sais pas. Alors. Un service de sécurité et confinement de Murkoff a fait part au conseil d'administration de ses inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent de contamination de l'environnement. Ces comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nécessiter l'intervention de SSCM et justifier l'émission de cet ordre de mission. Ouf, ouais, en gros, ils sont. Il s'est passé des trucs chelous ici. C'est qui ça? Non. Il bouge. Oh, il bouge. Oh là là, j'espère qu'on ira pas là-dedans. Non, on va explorer, hein. Wesh! Viens ici, bâtard! Je vais te choper. Ah, il a fermé. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Wesh, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Moi, je mets ça au collinard, il y en a rien qui se cacherait là dans le noir. Ouf. Ah oui, effectivement. Wesh, eh? Ouais, avant on n'avait pas. Je sais pas si dans la mise à jour ou quoi, mais avant on n'avait pas notre main déjà qui faisait ça, le truc bizarre. Ouh. Ah oui, ils ont modifié ça. Alors. Ouais. En l'attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise de la part de la Murkoff. Murkoff Corps. Les profits potentiels du projet Wallrider demeurent extraordinaires et extraordinairement élevés. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les preuves matérielles sont convenables à gérer. Convenables à gérer ou guérir, je sais pas. Le projet Wallride continue de présenter ses dangers. Oui, en gros, il a foiré le projet, puis ils sont tous morts. Quoi qu'il n'y avait pas besoin de me le dire, je voyais à peu près qu'est-ce que ça donnait. Non, attends, on peut y aller. Ah ouais, au cas où. Oh, attendez, j'avais envie de voir. Ouais, non. Les bruits sont quand même terrifiants quand ils les bruits de pas. Alors, on a été là. Attends, c'est marqué quoi? Cette porte nécessite une carte codée. Ok, on va chercher ça. Oh, là, on n'a pas été là. Oh. C'est un bras ça, le truc noir, ou c'est juste de l'ombre, ou c'est de l'eau? Oh là là.
Oh putain. Witness. C'est de l'anglais ça, Witness. Ou c'est un prénom, je sais pas, mais le jeu est basé anglais comme j'étais en fait. Ouais. Quoique sinon on peut rester là, hein. Ça me va, hein. Oh, c'est dégueulasse. Monsieur. Ah, par contre, il a un peu une main en mode élastique, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. On va pas rester là très longtemps. Oh, je préfère fermer. Wesh. Alors? Attends. Attends, c'est pas mieux. Wesh! Attends. Ou pas grave, au pire. Au moins, quand tu fermes toutes les portes, t'as moins de chance qu'il y en a qui viennent, qui sortent et tout. Non. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vérifié? Déjà là-bas, la genre de cave, on ira tout à la fin, ça donne pas envie. Oh putain. Ouf, je vais éviter de courir. Oh non, me dis pas que ça. Alors, statut de la Thérapple. Stagnation de l'activité du moteur morphogénique à environ 2000 ppm. Dépasser le niveau 3 du programme hormonal serait risqué. Diagnostic. La cyprométrie a révélé une accumulation bronchique légère à moyen. Quoi? Légère à moyenne? IRM cohérent avec les rêves rapportés par les patients. Note de l'entrevue. En raison de mutilation qui s'est affligée, Walker était entravé pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à... Ouais, c'est trop long. Et en gros, voilà quoi, je pense que vous avez compris. Au pire, quand j'ai fait la page 2, vous mettrez un pause à la vidéo. Attends. Non, 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 c'est mort. Moi, non, j'y vais pas. En plus, je suis même pas sûr qu'il y ait la carte là-bas. Oh là là, vous entendez mon bonhomme comment il respire? C'est pas bon ça. Ce qu'on va faire, on va longer le mur. Bouge pas toi, tu bouges pas. Espèce de somagnave. Non mais il nous fait rien. Hey! Puis là il y a un putain de screamer là. Là il se réveille, ben là putain on a plus qu'à courir. Tu bouges pas. Oh putain! Oh c'est pareil. Ils vont me sauter à 3 dessus. Ah, il y en a là. À 3 dessus et je vais rien comprendre. Wouah, putain. Mais déjà, comment il fait le journaliste pour déjà réussir à rentrer? Parce que je pense qu'il faut rentrer, c'est le but du jeu. Mais déjà, comment il a pu penser à faire ça, déjà, le journaliste? Attends. Wesh. Allez, dis-moi que t'as une carte, petit Jean-Claude. C'est quoi ça? Ah oui, allez. Là, on aime. Y a pas de... Non, de dossier ou je ne sais quoi. Quoi? Les objets. Ouais. Les objets... Ok. Ouais, on continue. Hein. Oh putain, il est encore là. Aussi. C'est jamais bon signe quand la première fois ça passe mais la deuxième ça passe jamais. Je suis sûr ça va. Alors moi le jeu, je m'étais arrêté quand il y a le genre de mastodonte là qui nous a jeté par la fenêtre, hop, j'ai vu ça, j'ai quitté le jeu, mais là je le fais pour vous, alors un maximum de likes les gens. Non non, je suis pas serein du tout. Non. Allez on y va. Oh putain. Oh là là. Non,
ta gueule, je veux pas t'aider, barre-toi. Oh là là, il va nous courser. Oh là là, vite, run. Oh putain, je vois rien, je vais me taper un bureau. Ferme. Oh putain. Oh les gens, je serais pas en vidéo, je vous dis, j'aurais déjà quitté le jeu. Je l'aurais désinstallé. Oh là, j'espère que c'est bon. Me dis pas une carte ou quoi, parce que là, mes couilles. Ah, voilà. On va fermer. De toute façon, je pense que pour rentrer, il faut... faudrait mettre... Ah, mais même pas. Et le gars, il sera, il referme même pas que le cliché, rien. The Lie, Lie. Moi, je suis dégueulasse en anglais, donc je pourrais pas vous dire ce que ça veut dire. Alors. Bon, ah, il veut pas se faire un petit GTA, non? Bon, ben... Ou un petit coup d'Hunter Strike. Wesh. Non. Oh, j'en étais sûr. C'est pas au courant, ça. Oh, putain. Oh là là. Redémarrer le groupe d'électrogène du sous-sol. Cachez-vous dans le vestiaire. N'essayez pas de vous battre. Qu'est-ce qu'il y a? Wesh. Quel vestiaire? Ça. Vite. Oh là là. Oh putain, on est mort. Oh là là. Non, casse-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Non, pas le casier. Ouah. Non. Oh, mais quelle chance. Je sais pas si vous avez entendu, il a ouvert le casier d'à côté et... Ouah. Oh, t'as une chance sur deux, en fait, de te faire bouillave. Ouf, putain, c'est chaud. Barre-toi avant que je sors et que je te foute un coup de boule. T'as fermé la porte? Oh, c'est bon. Fou. Oh, c'était bien hard. Oh putain. Bon ben les gens, on va s'arrêter là. Je pense que c'est tout pour le moment. Parce que là il y a... Oh, il y a eu trop de screamers, là. Enfin trop de trucs bizarres là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit like comme d'habitude. Et je referai une paire d'épisodes, hein, quitte à finir le jeu. Hein. Bon bah allez, sur ce, bye tout le monde. You and it's hell.